Je suis Claude Sicard, président du POLES, qui est l'acronyme de plateforme d'orientation vers l'emploi par l'économie solidaire et qui est implantée maintenant depuis une trentaine d'années en pied de barre dans la cité de la Caravelle, à Villeneuve-la-Garenne. Comment ne pas parler du logement social, qui est un aspect essentiel de la vie quotidienne pour chacun? Comment ne pas mettre cette question-là au cœur de la campagne électorale qui se profile? Les quartiers qui, aujourd'hui, sont toujours en grande difficulté, néanmoins en capacité d'être force de proposition, ne reçoivent pas aujourd'hui l'écoute qu'ils devraient recevoir. Pour n'en citer que trois, la première qui me vient à l'esprit, c'est la difficulté pour le jeune de décohabiter, de quitter le logement familial. La deuxième, évidemment, c'est pour ceux qui sont aujourd'hui locataires du logement social d'avoir un parcours locatif. On voit bien qu'aujourd'hui, on assigne un territoire des locataires parce que, évidemment, la pérennité de logement social fait qu'ils ne sont pas à mesure de se déplacer d'une ville à une autre et donc d'être en difficulté et de ne pas avoir de mobilité. Et la troisième difficulté, bien évidemment, c'est le manque de logements sociaux qui fait qu'aujourd'hui, toute une part de la population est mal logée. Oui au logement social, oui au logement social pour une société solidaire, conviviale, à mesure d'accueillir tout le monde.